My name is Ilaria and I'm the director of the UK's Department for International Trade here in France. My background is in more or less international affairs. Je m'appelle Aurélie Desbordes, je suis avocate depuis bientôt une dizaine d'années. En 2019, j'ai rejoint l'équipe du cabinet Quick Avocat sur Nantes. Bonjour, Marc-Cécile Bibou, je suis le CEO d'EuroAirship. EuroAirship propose des solutions de transport aérien innovantes et écologiques. Bonjour, je m'appelle Anne Rock et je suis franco-britannique. J'ai passé 20 ans dans des groupes anglo-saxons en France et en Angleterre, dans différentes fonctions. Et je me suis réinventée et je suis devenue executive coach. C'est le maintien d'un certain cliché, en fait. J'ai été amenée à rencontrer des personnes pour qui l'avocate était forcément moins combative, plus sensible que l'homologue masculin. Les défis pour le monde féminin, je pense que c'est l'entrepreneuriat, qui n'est pas assez important. D'autre part, c'est la répartition entre le temps professionnel et le temps personnel. Et la troisième, c'est l'accès au financement, qui est beaucoup plus rare pour les femmes que pour les hommes. The first would be my grandmother. She was way ahead of her time. She was an incredibly original and brave woman, and a kind of real feminist without really knowing she was one at the time. The second one, at work, I'd say there have been a lot of women who've been, for me, super in managing to be really competent and professional, but at the same time, being kind and not taking themselves too seriously. So, I don't know, in my opinion, you don't have to be ruthless to be successful. Moi, je pense que dans beaucoup de domaines, les femmes inspirent. Entre autres, moi, je dirais Marie Curie, pour ce qui est de l'aspect science-santé. Je pense aussi à Simone Veil, qui est une femme de combat, de dialogue, qui a fait avancer le droit des femmes. Je pense aussi, dans un autre domaine, à Simone de Beauvoir, qui s'est imposée dans la littérature, dans la philosophie. Et plus récemment, je dirais à Christine Lagarde, qui a été ministre de l'économie, mais qui a été aussi la première femme à diriger le FMI et la première femme à la tête de la BCE. Voilà. Ce sont des femmes qui sont très loin de moi et moins loin de moi, telles que Christine Lagarde, Meghan Markle, Emma Watson, Lynn Burney, ma fille, Cécile. All the young women that I work with, there are many in my team and within the embassy who are incredibly talented. And so I'm just proud to work with them, I suppose. And I have confidence that they'll be able to navigate all the challenges that, you know, growing up as a young woman today will throw at them. So indeed, working with them is a source of pride for me. Ce dont je suis fier dans ce que je fais aujourd'hui, c'est d'une part d'avoir mon indépendance, d'avoir le respect de toute une profession. Et puis d'autre part, c'est aussi de contribuer à la transition énergétique en apportant des solutions qui sont écologiques et qui vont révolutionner le mode du transport. Mon désir et mon souhait d'être une femme indépendante et que, quel que soit mon rôle de dirigeante, d'épouse, de maman, de fille, de belle-fille, de copine, c'était de trouver un espace pour garder, pour prendre du recul, pour garder ma connexion à ma vraie raison d'être, à mon vrai purpose. Moi, je pense que voilà, la femme et l'homme sont égaux. On a la même efficacité, le même résultat. J'ai trois conseils pour vous. Le premier, you can't give to the others what you don't give to yourself. Prenez soin de vous. Le deuxième, c'est Emma Watson qui a dit « If not now, when ?» Nous n'avons qu'une vie, alors allez-y, foncez, vivez vos convictions. Et le troisième, c'est « Fake it until you can make it. » Osez, allez-y.